Trap Addict, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Donc comme vous l'avez deviné, ce mois-ci, nous avons reçu les box du coup des petits pigments, puisqu'il existe une box adulte et une box enfant. Donc on a la chance de recevoir les deux avec les enfants qui sont impatients d'ouvrir cette petite boîte pour réaliser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour rappel, les petits pigments, c'est une petite entreprise qui s'est lancée il y a maintenant quelques mois dans les box mensuelles d'activités créatives. Donc vous découvrez plein d'activités créatives différentes. Ils ont fait du macramé, on a fait des cerfs-volants, on a fait des sacs, des pochoirs sur sac, enfin de la peinture sur sac. Vous avez fait des trousses aussi, vous les enfants. Ouais. On a fait vraiment plein de choses. Le mois dernier, c'était des kits à graver de gomme pour faire nos propres tampons. Ça, c'était formidable. Voilà, donc ce mois-ci, on a hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de notre boîte. On passe tout de suite à l'ouverture. Tadam! Alors, je pense que celle-ci, ça doit être... Alors, je pense que celle-ci, c'est celle pour les enfants, parce qu'on a, on a un petit dessin. On dirait un... Quoique... On dirait un truc de ruche d'abeilles. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. On dirait des alvéoles pour les abeilles. Et aussi pour le miel. Allez, on ouvre. Attention à toi, Baptiste. Attention! Donc on a un joli petit mot avec écrit. Alors attendez, je vais vous placer autrement parce que vous n'allez rien voir du tout. Comme ça, c'est bien. Donc on a un petit mot avec écrit merci, un petit cœur écrit à la main. Et on a donc du coup le reste de la carte qui est donc tout simplement pour vous montrer où vous pouvez retrouver les petits pigments. Donc ça c'est cool, vous les retrouvez sur Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok, enfin voilà, ils sont sur tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? C'est pour faire des bols. Des quoi? Des bols. Des bols? Je crois que c'est des trucs. Moi, je pense que c'est pour faire des bougies. Regarde, c'est écrit, mais bougies parfumées en cire d'abeille. C'est trop bien. C'est pour ça qu'ils ont fait un truc pour d'abeille. C'est cool. Ah, c'est pour ça qu'il y avait le petit dessin. C'était un indice. Ouais. Oh, regardez, maman, elle est même dans le dépliant. Je vous montre, du coup, regardez ça. Ce que j'avais fait le mois dernier du coup avec les fameux kits de tampons à graver, du coup ils sont publiés. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc la liste du matériel. Alors pour rappel, les petits pigments, leur créneau c'est le Made in France, Made in Europe au maximum. Donc vous voyez qu'on a toute la liste de ce qu'il y a à l'intérieur de la box, qui est donc du coup mentionné au niveau de l'origine. Donc a priori la cire, je pense, elle doit faire partie de l'Europe. Et sinon tout le reste c'est français. Ah non, celui-ci aussi qui est donc du coup européen. Mais sinon tout le reste est français. Donc ça va permettre de faire de jolies créations. Made in France du coup, Cocorico, c'est cool. Cocorico, c'est pour structure. Tu veux qu'on le fasse tout de suite? Oui. Eh ben écoute, Cocorico. On va essayer. Maman, elle lit tout ça et puis on va lire. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas quand même la deuxième box avant? Oui. On regarde déjà ce qu'il y a. Alors je pense que ça c'est des petites boîtes. Ouais, pour les bougies. Aussi. Ça aussi c'est pour les bougies, tu crois? Ça c'est. Alors on a toujours le petit aimant et puis le petit badge à l'intérieur de la boîte. Ouais. Ça c'est cool. On a un petit autocollant, regarde, on a même un gros coquillage. Cool. Et on a des senteurs. Donc des senteurs pour bougies. Donc ils sont de la marque PBO, Made in France. Ça c'est cool. Et un petit pic. Ah puis on a des mèches. Et attends, on doit voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, je pense que c'est la cire qu'il y a là-dedans. Oui. Après on... Oui, c'est de la cire. C'est ça que c'est. Oui, c'est de la cire. Ils sont les cheveux. On dirait du miel. On dirait du miel. Allez, c'est ça qui sent le miel.
Alors attention, ouverture de la deuxième boîte. T'as un petit mot toi aussi. Alors je sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour vous. Ah, celle-là c'est pour les enfants. Les autres, c'était pour toi. Oui, c'était pour moi. Celle-là, c'est quoi? Oh. Eh ben, c'est mes petites bougies à modeler. Trop bien. Tu veux faire un dinosaure? C'est pour faire des bougies, du coup. Comme ça ou comme ça? Bah, tu fais les formes que tu veux, je pense. Moi, j'ai envie de faire un dinosaure. Moi, j'ai envie de faire un volcan. Oh, regardez ce qu'on a fait. Mais en fait, c'est ce qu'on a fait. Et notre trousse. Ah non, c'est pas la nôtre celle-là. C'est Lina, 6 ans, qui l'a faite. Et là? Bah celle-là, c'est celui qu'on a fait nous. Ah. Le jeu de... Oh, avec le carton. On peut faire aussi tes formes avec. Oh. Moi, je vais essayer de fabriquer des bougies robots. Une bougie robot? Ouais. Bah écoute. Moi, je vais essayer de fabriquer. Oh, voilà les tableaux. Ah, c'est des tablettes de cire à modeler. Attends, je vais... Attends, modeler. Regarde, c'est quoi ça? Il y a un petit cadeau dessus. Oui. Ça, je pense que c'est la cire. Non. Ah, c'est notre truc comme ça. Un autre coquillage qu'on peut faire. Excusez-nous pour l'attente. C'est un petit bonhomme qui est triste. Regardez, c'est parce qu'on a mis du temps à avoir les box. Alors nous, on l'attendait même pas. Donc vous voyez, on est super content de l'avoir. Donc on l'a pas du tout attendu. Oh, un champignon. Donc on a un petit coquillage en plus du coup. Et puis il y avait un petit champignon. Il est où le petit champignon? Il est là. Voilà. Et il y avait un petit champignon. Oh, une étoile. Donc on a des petites formes. On a un train. Une étoile. Une étoile. Et un petit chien. Oui. Un cheval? Un chien. Un dinosaure? Non, c'est un chien. Et voilà les tablettes de... Je m'en rappelle plus. Oh, attention, on fait pas tout tomber. Oh, là aussi, des trucs comme ça. Bon, on va regarder tout ça, parce que ça part un peu dans tous les sens. On va regarder tout ça et puis on se retrouve tout de suite après pour la création de nos bougies à modeler. Alors, on a lu l'ensemble de la notice. Donc, on sait à peu près ce qu'on va faire. Lucas veut faire un T-Rex. Et Baptiste, lui, veut faire un robot. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a regardé, donc, au niveau des explications, vous avez plein de petites techniques et d'astuces pour réaliser, du coup, votre dinosaure ou la création que vous avez envie, comme d'habitude. Et vous avez aussi une petite rubrique avec d'autres idées où vous avez donc la création, la customisation de bougies que vous avez déjà à la maison ou la création d'autres bougies complètement différentes. Donc je pense qu'on essaiera d'en faire aussi avec le reste. Ou des bougies d'anniversaire. Ou des bougies d'anniversaire, voilà. Donc avec le reste de la cire, on s'amusera à faire ça. Donc on est parti. Et à la fin, vous avez même une petite idée pour recycler la boîte du coup dans laquelle vous recevez votre matériel. Pour faire une scénette et y mettre vos bougies. Donc je trouve que c'est plutôt sympa comme idée. En tout cas, les enfants sont conquis. Vous aimez bien, vous, hein? Ouais. Oui, c'est super. Et je voulais vous faire profiter aussi de l'information qu'il y a à la fin du petit fascicule. Vous avez un code promo pour avoir moins 10% sur les box précédentes. Si jamais vous les avez loupées et que vous voulez les faire, donc pour rappel, il y avait les petites trousses, il y avait les petits cerfs-volants avec les petits moulins avant et il y a un système solaire. Donc ça vous les fait à 20,90€ au lieu de 22,90€. Donc avec le code KALINE10. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout passez vos commandes. Allez, nous c'est parti. Je vous mettrai peut-être pas la vidéo parce que sinon ça risque d'être un peu le chahut avec les enfants qu'il va falloir que je surveille et qui ne touche pas forcément à tout. Mais je vous mets au moins les photos.